Ok, hey, salut tout le monde. Salut The Elf, Letfaus, salut Riku. Comment va tout le monde? Ça, j'ai plus besoin. Donc... Ah, ok. Calque là-dedans, hop là. Là. Ok, donc on est parti sur un nouveau projet. Première de 4 commandes pour Raphaël. Raphaël qui a commandé encore 4 de ses personnages. Raphaël qui, je rappelle, est un auteur de bouquins. Qui a déjà eu l'occasion de commander plusieurs dessins ici. Et là, on est parti sur un autre de ses personnages. Donc, pour expliquer un petit peu mon process, c'est un peu toujours le même. Je prends ce qu'il a besoin. En l'occurrence, là, j'ai eu un petit dessin. J'ai eu un petit dessin de l'auteur qui, pour me montrer un petit peu l'idée derrière le personnage de la sorcière rouge. Donc, on a un peu un style espagnol, j'ai l'impression. Bref, je suis parti sur mon interprétation de la chose. Donc, j'ai trouvé une robe médiévale qui me plaît. La sorcière rouge va avoir son animal de compagnie. C'est une chauve-souris. Donc, j'en ai fait une assez balèze pour que ça claque bien, tant qu'à faire. J'ai modifié un peu le bras pour qu'elle ait le bras comme j'ai en besoin. J'ai mis la tête de la mère d'un pote qui avait vraiment envie de faire partie de mes dessins. Et je trouvais que ça lui allait assez bien, la sorcière rouge. Donc je l'ai pris en photo pour l'occasion. On va voir si ça colle avec la vision de Raphaël qui devrait être dans le coin à mon avis. Et derrière on a une... On a une grotte souterraine enflammée, donc je rajouterai des torches un peu partout. Je vais sûrement rajouter un pupitre avec un, peut-être même là, un pupitre avec un grimoire. Et peut-être un peu planqué dans le coin, je rajouterai peut-être un chaudron. On va voir si on part dans cette direction-là, parce que comme je ne connais pas trop le personnage, peut-être que je m'égare complètement. Donc, on va lier tout ça avec un croquis. Et après, je bosserai sur... Et après, je bosserai sur le croquis plus que sur la photo. Ok. Voilà pour ce qui est de mon process. En fait, j'avais commencé à faire ce genre de mise en place pour les cartes parce que ça allait beaucoup plus vite. Et en fait, ça me convient assez bien puisque ça me permet de speed up un peu le processus de création. Et puis, ça me permet moi de voir, enfin, de commencer à bidouiller un petit peu quelque chose avant même de dessiner quoi. Ça tombe bien qu'Hélène s'est attaché les cheveux parce que notre sorcière rouge a les cheveux attachés. Avec une bonne grosse tresse qui tombe sur le devant. Donc une robe très différente que je vais adapter à ce que le client veut. New York, très bien. Salut Manu.
passer. Petite chauve-souris, quand je dis la petite, je me comprends, elle est sûrement plus grosse que ce que Raphaël avait imaginé, mais je trouve que pour un animal de compagnie, il faut quand même que moi, ce que dans l'histoire, le fait que ce soit une petite souris, une petite chauve-souris grise, est bien stipulé pour certaines missions, par exemple. Dans ces cas-là, il faudra que je change, j'en mette une plus petite. Si, bon, il m'a répondu. Je pense même qu'il doit être dans le coin, sûrement en mode lurk. Il m'a répondu, mais il m'a demandé quand c'est que je commençais, donc à mon avis il va regarder ça de près. Ok, je regarderai ça de plus près quand je serai sur ma feuille blanche. Pour l'instant je vais récupérer ce que j'ai fait comme montage et je ferai les transformations après. Là on a une main dans laquelle je verrai bien justement. Genre une boule de feu ou quelque chose. Je sais pas si c'est une magicienne qui peut produire du feu aussi, parce que le feu est assez présent dans la grotte. Donc je verrai bien avec une boule de feu dans la main. Ok, donc. On va aussi quand même faire la grotte, comme ça ce sera fait. Même si la grotte était là un petit peu pour me mettre dans l'ambiance, autant en profiter. Ok, whatever. Alors, je vais aller mettre une feuille blanche derrière ça. Je vais voir. Avec lui, je vais peut-être mettre en route mon messenger. Je sais pas s'il y a moyen qu'on discute Raphaël, ce qui serait beaucoup plus simple d'ailleurs. Et comme je sais qu'il s'est enlevé des réseaux sociaux. Je sais pas, je vais mettre ça en veille. C'est vrai que s'il pouvait être avec nous, ce serait plus simple. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une feuille? Une feuille blanche. Peut-être derrière là-bas.
Ah bah ils sont là mes elfes que je cherchais le jour, d'accord. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé les elfes que je cherchais l'autre jour. Okay. Feuille blanche. Voilà, on a notre croquis à peu près. Maintenant, je vais pouvoir bosser dessus un peu plus en profondeur. Sur le câble directement, donc alors non, on n'aura pas mieux. Ok, bon, mais pour l'instant il va falloir se contenter de ça. Alors, donc on va lui faire son petit col que je trouve pas mirobolant personnellement. Parce que ça va vite se salir si je frotte sur le... quand même lui faire une ceinture qui tient sa taille. Il y a des personnes qui dessinent au graphite avec un gant et pourtant ils trouvent qu'un gant étale encore plus que... Je trouve que le gant étale plus que le graphite. Ben, salut Barlow! Bah ça étale pareil, mais c'est sûr que ça protège ton dessin. Mais de toute façon c'est le frottement qui étale, hein, donc ça changera rien. Ce que ça va changer, c'est que ça va protéger ta feuille pour les mêmes raisons que... Alors attends, on passe en dessous, on passe au-dessus. Ou alors on va juste lui faire une ceinture... fancy one.
justement, je trouve qu'un gant ne protège pas forcément. Il vaut mieux une feuille comme tu fais. Ouais, mais il faut juste que tu penses à la... Que tu penses à la déplacer au fur et à mesure, parce que c'est vrai que... Moi, j'ai tendance à l'oublier. Ah ben voilà, on a Raphaël avec nous. Salut. Elle est pas mal la sorcière rouge. Ouais. Alors justement, j'étais en train de penser à changer quelques trucs par rapport à ton design. Notamment le haut de la robe que tu voulais en transparence. Si j'ai bien compris. Et j'étais en train de me demander si j'allais pas avoir quand même des manches. Donc bien sûr, robe rouge. J'ai aussi agrandi, alors je sais pas, je ne dis rien, c'est que c'est impeccable. Ok. J'ai largement agrandi aussi. Alors je te montre le montage que j'ai fait pour la sorcière rouge. Voilà le montage que j'ai fait. Donc une robe médiévale qui me paraissait bien, qui sera en rouge. Je vais transformer pas mal de choses quand même. Je lui ai fait une chauve-souris qui est peut-être plus grosse que ce que tu avais vu. Je me suis dit quitte à qu'elle ait un familier, autant que ça soit une chauve-souris conséquente. Donc ça, c'est une chauve-souris vampire. Et la mère d'un pote qui voulait jouer un rôle dans un de mes dessins. Et je lui ai proposé le rôle de la sorcière rouge. Alors je sais pas si tu voyais quelqu'un de cet âge là pour la sorcière rouge, ou si tu voyais quelqu'un de plus jeune. J'en sais rien, en tout cas voilà le modèle. Et la grotte derrière, ben, on va partir là-dessus. Donc ce que je voudrais rajouter, mais je vais voir avec toi, je sais pas si c'est prévu dans sa cave. C'est un pupitre en pierre avec un grimoire dessus. On va sûrement faire dans le coin, par là, ici par exemple, et pourquoi pas un chaudron dans le coin là. Je sais pas quel type de sorcière c'est, donc va falloir qu'il nous éclaire sur ce point.
pas l'impression que c'est une gentille sorcière, donc c'est pour ça que je trouvais que la tête était pas mal. Les pouvoirs spéciaux sont le feu, le soleil et la chaleur. Mais ça tombe bien, je vais lui faire une flamme dans la main. C'est très bien. Tu valides tout. Ah bah c'est parfait, alors il valide tout. Son grimoire et puis la flamme dans la main, du coup c'est parfait. Ok, alors, donc, grimoire. Grimoire, mon grimoire. On va faire un rocher ici qui va servir de grimoire. Est-ce qu'on cache sa robe? On va peut-être mettre le grimoire un peu plus au milieu. On cachera un peu moins la robe comme ça. Ah bon, on peut peut-être mettre un barbecue, hein. De toute façon, il y a, j'ai envie de dire, il y a un chaudron, donc il y a sûrement un barbecue, hein. On va mettre une petite sauce barbecue discret là, pour ceux qui ont suivi. Ok, donc on va lui faire une ceinture avec le thème du feu.
Et Fartiel. Oui, il va y avoir un chaudron, ouais, du coup. J'ai eu validation pour l'instant. Donc on va lui mettre un chaudron ici. Ça va meubler cet espace. Du coup, par contre, si je le fais devant, derrière, j'aime bien la chauve-souris aussi. Ouais, j'aime bien. Je trouve qu'elle est mignonne. Il est un peu grand. Alors, there isn't a big difference between witch and sorcerer in general. Et Anita. Bah. Not sure what differentiate a witch and a sorcerer. For me, it's the same. Je veux dire, for me, sorcerer is the masculine for witch, so. Je vais Lego. Ils ont des superbes kits de nos jours et des salles zoos ont sorti des kits LED. Et les salles O. Oh non, des kits LED pour les kits Lego. Et alors, très bien. Oh, you say that a witch is bad. I mean, I guess it depends of the law. Cause if you look at Harry Potter, they're all witches in the school. No, they're all wizards, which is not the same. I mean, I don't know. Frankly, I don't know. T'as glissé. Pour tout le monde, la sorcière rouge a des pouvoirs liés à l'été. Le feu, le soleil et la chaleur. Mais elle est beaucoup plus puissante que la sorcière blanche du monde de Narnia. Si tu pouvais traduire. Yeah, she just say the author of the... customer of that drawing say that the red witch have the power linked to the summer, the fire of the sun, and
and the hotness, you know, much more powerful than the white witch in Narnia's world. Yeah, that's true. The heat. Thank you, Lethos. The heat. The heat sound better. No idea what RPG is. Don't know that. On est d'accord, c'est une mauvaise sorcière. Non, rien à voir, rien à voir. Bon, faut me faire penser, moi, dans... J'ai mon feu à m'occuper aussi, là, toutes les... Ah bah, ça fait déjà une demi-heure. Toutes les 40 minutes, là, faut que j'aille remettre du bois dans mon feu, sinon... Ça va pas chauffer la maison. Ok, on mettra une couleur qui indique que il y a du feu là-dedans. Peut-être... Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bon alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter sur cette sorcière? Elle a une flamme dans la main. Je n'ai pas vu ton dessin, elle a des beaux ongles, hein. Des grands ongles rouges, bien sûr. Oups, j'ai oublié mon petit papier. Ok, donc on a le grimoire. On a le petit chaudron qui va bien. Dans le sens côté obscur de la force, tu vois. On va faire des vapeurs. Des vapeurs bizarres sortir de ce chaudron. Elle pratique la magie noire, madame. Est-ce qu'on peut faire des vapeurs un peu qui font un peu peur? Est-ce que sa magie est bienveillante ou malveillante? Faut-il encore qu'elle ait un maître? J'ai l'impression qu'elle est assez badass quand même. Ok, bon ben si tout est ok, est-ce que je lui ferai pas un petit sac, une petite bourse, quelque chose de ce côté-là.
Ok, bon, et ben tu sais pas, puisque j'ai la validation de l'auteur, je vais. La sorcière rouge, c'est une méchante, la belle d'un matin de printemps, de beauté of the spring morning. La traduction en anglais est faite, je sais pas quand il sortira en anglais. Elle est malveillante et diabolique. Qui agit seul. Ok, parfait, c'est très très bien. Au fait, on va mettre plein de malice là-dedans. Je vais donc, je te fais ton dessin sur une feuille qui fait, c'est une feuille qui fait 24 sur 32, et dedans il y a un cadre comme j'ai fait avec la vieille là. Il y aura un cadre de ce genre là autour qui fait 21 29 7. Correspond au format que tu as demandé. Ok. Comme ça, ton dessin n'est pas étouffé. Ça respire un petit peu. Cool ça, que ça sorte en anglais. T'as du public anglais qui est en demande. Ou tu le sors en anglais pour le faire découvrir au public anglais justement. La dernière sorcière de feu était une sorcière en armure lourde. Il y avait un mode repos et un mode combat où des flammes sortent des épaules, des canons, de l'armure, des chevilles plus genoux. Et une arme de sorcière, une grosse masse. D'accord. C'est dans quoi ça? C'est dans quoi ça? C'est dans un jeu vidéo? Ce stylo, merci beaucoup. Alors, on n'a pas autre chose de mieux là. Le stylo noir que j'ai utilisé ce matin, là.
Non, dans une partie de JDR. JDR, ça veut dire jeu de rôle, Manu. Jeu de rôle. Pas un jeu de rôle. Hein. Même si des fois c'est drôle, mais c'est un jeu de rôle. C'est-à-dire un jeu où t'as un maître du jeu qui te raconte un peu ce qui se passe. Et toi, tu joues toi-même le personnage. Toi le maître du jeu en général. Et toi tu fais du jeu de rôle avec les figurines sur la table quand même. J'aime bien qu'il y ait les deux moi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est du délire total, donc. De toute façon, rien que la description de la sorcière, ça m'avait l'air du délire total. Ouais, c'est mieux. Ouais, ça permet une immersion un peu plus quoi. Après, quand t'es quelqu'un comme moi qui a pas trop de problèmes d'imagination, bon, ça va, mais je sais que t'as des personnes qui ont besoin d'une immersion plus visuelle. Moi je bosse jusqu'à 16h, donc je vais pas trop traîner, parce qu'il est déjà 15h17, mine de rien ça passe vite. Ce soir j'ai Escrime, j'espère avoir assez de patates pour continuer ce soir, parce que normalement je travaille le lundi soir, mais, ces derniers temps l'escrime m'a bien cassé, donc alors on va les mettre du... graphite derrière notre petit calque de tout à l'heure. Hop là, faut pas que j'abîme ça, c'est sûrement quelqu'un. Là, 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 ça c'est du HB, ça va pas être assez gras. Ça c'est du 4B. On est pas trop mal. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, hein, je viens de terminer de dessiner un jeu de cartes. Hein. Est parti à l'imprimeur pour faire comment on appelle ça, merde, enfin pour voir ce que ça donne, et si ça donne bien ça va être de retour. Ça c'est la boîte. Si vous commandez un premium, c'est à dire les 100 premières, vous aurez cette boîte là avec la mention édition premium, un bat, merci beaucoup. Si le bat revient bien, on commande les 100, donc c'est pas impossible que ça arrive pour Noël. Donc voilà, si ce jeu de cartes vous intéresse, j'ai dû te déprimer avec l'attente que je t'ai faite. Non, ça va, j'avais du boulot, je t'inquiète. non, j'ai, ça m'a permis de finir des trucs, donc il y a un lien de toute façon sur mon Twitch. Voyez-les directement pour ceux qui sont intéressés. Si je veux, je parle en même temps que mon taille-crayon, comme ça tout le monde comprend. Alors, est-ce que la sorcière nous regarde? C'est peut-être mieux si elle nous regarde. Hein. C'est peut-être encore plus spooky.
suis inspiré de Nomrad, de la sorcière blanche et de la déesse Estia pour la crie. D'accord. Donc du coup, ce dessin te sert à quoi? C'est juste pour le plaisir d'avoir tes personnages au mur? Ça t'aide à les visualiser quand t'écris? C'est quoi le... C'est quoi la raison? Ça me donne la motivation de continuer d'écrire. D'accord. Ah bah c'est vrai que tout à coup elles prennent un peu de... Elles existent un peu plus encore. Bah c'est ça le truc, c'est qu'avec un personnage d'un roman, ce personnage là devient vivant quand tu lis le roman, mais dès que tu refermes le bouquin, peu tendance à disparaître. L'avantage de l'avoir en visu, c'est que bah, il reste là tout le temps. Ok, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. On va transférer ça sur notre feuille. C'est la troisième fois que je le dessine. Donc du coup, elle sera légèrement décalée sur le côté. Comme ça, on aura une vue sur la grotte en feu. Enfin, la grotte de feu avec des torches un peu partout. Ça devrait pas être mal.
tout compris. Là, en janvier, je démarre à écrire le nouveau roman et de finir le 9 pour publier en mars. Publication en mars 2024. T'as encore un nouveau roman ? Une nouvelle, carrément un nouveau truc ? Ça bouillonne là-dedans. Tu restes sur tes dessins pour les couvertures? Et ça se termine un petit peu ou pas? Enfin, l'histoire se termine à un moment donné, parce que je me dis peut-être que quand tu auras fini l'histoire de Raphaël, peut-être que tu pourras tout mettre dans un seul tome, faire un gros bouquin. Ah merde, ça fait une heure, faut que j'aille m'occuper de mon feu. Il est en train de crever tout seul là-bas. Ok. Hop là, il manque un morceau de la robe. Faut ça là, je vais aller mettre du bois dans mon feu, je reviens.
Voilà. Alors, le dernier sort en 2025 avec le tome 10 qui sera le dernier. Mais je vais voir avec ma maison d'édition pour les regrouper dans un seul livre. Ouais. C'est vrai que les livres sont pas très gros et c'est vite lu. Ok, alors on va prendre le marron et puis on va démarrer gentiment. On va démarrer avec la tête de la sorcière. Si je retrouve mon modèle là, on va se rapprocher un peu. Alors évidemment, je vais pas faire un portrait carrément de cette dame parce que c'est un peu petit, mais au moins. Ben ça, ça dépend comment c'est écrit, ça dépend la grosseur du bouquin, ça dépend de pas mal de choses. Parce que si je me rappelle bien, c'est le 6, c'est écrit quand même assez gros, et les chapitres sont quand même assez courts. Ouais, tu vois, les chapitres sont quand même, ils ont 3 pages, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon gros bouquin avec toute l'histoire. Ah, le 10 est plus long. Ben, en même temps, c'est vrai que plus on se rapproche de la fin, plus... On va lui mettre sa tresse derrière l'oreille quand même.
6, 7 et 9. Ah, je peux pas te dire, j'avoue que j'ai pas encore, j'ai pas pris le temps de le lire. J'ai dû beaucoup de mal à lire parce que quand j'ai fini mes journées, c'est parce que mes yeux veulent plus fonctionner, donc j'ai énormément de mal à lire. À chaque fois, je me dis, tiens, je vais faire tel ou tel visage, mais les visages sont tellement petits que, en fin de compte, c'est assez difficile de faire en sorte que la personne ressemble à la personne que tu voulais qu'elle ressemble. Dans le 6, c'est dominé par la neige et la glace, et le combat final se déroule dans la nuit, dans une ville sous-marine, et avec des énigmes pour retrouver la relique. Dans le 7, se déroule en été, avec le combat final dans un temps nocturne, dans le fort Boyard, baptisé Greyhob, avec l'armée de Pallès, qui prend le contrôle du château de Réas où la reine fuit. Et le 9 se déroule en hiver, paysage automnal, avec une ville près des volcans, où ils affrontent un sbire sur la surface de la lune. Ah bah rien, putain, ça part dans tous les sens. C'est bien.
n'est pas dépaysé. Ah bah oui, moi je veux bien, je vais te dire, c'est obligé. Faudrait que je les lise, ça c'est sûr. Alors, je dois avoir Raphaël 4. La belle d'un matin, c'est encore autre chose. Et j'ai Éléonore. Donc, ces deux-là, on les a dessinés, c'est bon. On les connaît. J'ai Théodore aussi. Et j'ai Raphaël 4. Et j'ai le 6 que j'ai eu tout à l'heure. Voilà. Donc dans la série des Raphaël, j'en ai que 3. J'ai le 4, 5, 6. Donc c'est vrai que du coup, j'ai comme j'avais pas le premier, j'ai pas vraiment encore démarré. Donc ça, ces deux-là, c'est des histoires toutes seules. La belle d'un matin de printemps. Permet d'être un peu plus dans le un peu plus dedans quoi. Encore faut-il que je prenne le temps de le lire, bien sûr. Alors donc je vais continuer là-dessus.
Parce que le 1, 2, 3, il est pas. Tu l'as pas dispo pour que je puisse démarrer du début. Si c'est faisable, ouais, parce que comme ça me permet de démarrer l'histoire au début, quoi. C'est plus simple pour suivre. Ah ouais, ça roule. Je te ferai un petit tarif pour la dernière commande pour que tu récupères tes frais de port et tout ça. Merci bien, c'est sympa. C'est vrai que c'est bien de dessiner les persos, mais c'est encore mieux de les connaître. Les connaître de l'intérieur.
T'as une adresse que tu peux donner pour ceux qui ont envie d'acheter le bouquin d'ailleurs? Parce qu'il y a peut-être des gens présents qui auraient envie de d'acheter tes bouquins. Parce que bon, ils commencent à connaître les personnages aussi. C'est dans lequel que là il y a la sorcière rouge par exemple. La belle d'un matin de printemps. C'est lui que j'ai là. C'est dans celui-là qu'elle est. Ah bah oui. Sur son chemin, elle est kidnappée par les sbires de la sorcière rouge. Je suis con. Ah ouais. Non mais t'as raison. Ah La preuve que j'ai pas lu les bouquins. Mon dieu. Shame on me. Ouais, mon frère il les a lus, je crois. Philippe il les a lus. J'ai une nana sur Facebook aussi qui a eu une forte réaction à un dessin que j'ai fait pour ton... que je t'ai fait la dernière fois. Je crois que c'était Eleonore avec son prince là, parce qu'elle avait lu les bouquins. Et bientôt l'heure, ouais, c'est... Ah non, c'est pas vrai. Ah non. Je crois que mon stylo marron vient de mourir. Shit. Et j'ai pas de réserve. Et merde. Non, j'en ai plus. J'en ai marre d'acheter des paquets de Perfecto juste pour un marron. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Puis celui-là, il marche quand il veut, alors.
Ah, c'est bon, tu l'as, plus Garnevel. Il n'a pas duré longtemps. Bah, quand même, hein. J'ai aligné quelques dessins, quelques cartes avec ce stylo, donc ça va vite, hein. Bon, va falloir que je retourne à l'action, alors. Oui, parce que là, je vois pas trop comment je vais bosser ce sort si j'ai pas de marron. Ok, bon bah écoute, pour l'instant ce sera tout pour cet après-midi. Ok. Bon, et eh ben écoute, j'ai l'impression que c'est un bon début. Même si c'est pas très net. J'ai pas vu que ma caméra n'était même pas nette. Quelqu'un aurait pu me le dire. Hein. Là. Ça aurait été mieux quand même. Bref, je vais essayer de revenir ce soir. Essayez de pas trop m'écouter et on va pour continuer sur ce dessin.
Donc peut-être à ce soir. Merci d'être passé cet après-midi. Voilà, j'ai envie de dire, c'est tout. À très vite. Et bonne fin de journée. Salut. Et sinon, jeudi, oui, c'est ça. Parce que mardi, mercredi, non, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que je vais vraiment essayer ce soir. Sinon, ça va reporter un peu trop. Puis là, on est bien parti, donc ça devrait me motiver. Bon, allez, à cela, à ce soir. Allez, on dit à ce soir. Pas le choix, ce soir. Salut.